misión de los paracaidistas americanos es uno de los episodios más recordados del día D. Hoy, Gurípas, recorreremos las principales zonas de salto de la mano de un experto. Pero primero, vamos a buscarlo. La misión de los paracaidistas americanos nació para apoyar a las tropas de Utah Beach, ya que era la playa más aislada del desembarco y la única sobre la península del Cotentin. El objetivo final de todo este sector era tomar el puerto y la ciudad de Cherburgo. Dos divisiones aerotransportadas, la 82 y la 101, con tres regimientos de infantería cada una. En total, más de 13.000 paracaidistas que saltarían en la madrugada del día D tras las líneas enemigas, sumados a otras tropas que aterrizarían en planeadores con el equipo pesado. Aunque los aliados dominaban el aire, la artillería antiaérea alemana y el mal tiempo provocaron que la mayoría de los paracaidistas americanos saltaran lejos de las zonas planificadas. Hoy vamos a recorrer las seis zonas de salto, o DZ, Drop Zones en inglés, para conocer cómo, a pesar de todo, las tropas paracaidistas lograron cumplir su arriesgada y difícil misión. Bonjour Oscar. Hola Denis, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a explicar qué es esto. Alors ça, c'est un petit jouet qui a été distribué aux troupes américaines aéroportées, notamment à la 101e Airborne, de façon à pouvoir se reconnaître la nuit, puisque c'était le deuxième saut de nuit de toute l'histoire de l'US Airborne, après le saut en Sicile. Et afin de pouvoir se retrouver plus facilement dans le noir, il avait été imaginé, à l'époque par les soldats de la 82e qui ont sauté au Sicile, de ce petit jouet qui était distribué dans les boîtes de crackers aux États-Unis, souvent sous forme d'une petite grenouille. Et le nouveau commandant de la 101e Airborne, Max Taylor, avait décidé que c'était un bon moyen de se retrouver au sol. Entonces, un clic. Répondu par deux clics. Et sinon, existait autre méthode, qui era un santo y seña en anglais, en théorie, algo difficile de prononcer pour un allemand. Flash. Thunder. Welcome. Tampoco es que sea muy fácil de prononcer pour un español. Y ahora cuéntanos, ¿por qué estamos en Sainte-Marie-Église? Sainte-Marie-Église est considéré comme le village, le premier village libéré de France. Pourquoi? Parce que dès minuit 30, le 6 juin, des parachutistes tombent sur Sainte-Marie-Église. Alors les premiers parachutistes qui tombent ne sont pas de la 82e Airborne, hein, ils sont du 506e régiment de la 101e Airborne, mal largués comme la plupart des troupes aéroportées de ce moment-là. Leur drop zone était beaucoup plus vers la mer du côté du Utah Beach, mais ils ont été largués vers minuit 30. Et à peu près 35-40 minutes plus tard, ce sont les parachutistes de la 82e Airborne, du 505e régiment de parachutistes, qui est considéré comme le régiment qui a été le mieux largué le 6 juin, puisque leur drop zone était à quelques kilomètres seulement dans le nord-est de Sainte-Mère-Église, et à 4h du matin, on considère que Sainte-Mère-Église était libérée. Las zonas de salto de la 82 división, codificada como Misión Boston, fueron la O, cerca de Sainte-Mère-Église, y la T y N al oeste del río Merderet, que cruza de norte a sur la península del Cotentin. Esta misión era a priori la más peligrosa y se la asignó a la 82 División del general Ridgway, ya que, a diferencia de la 101, ya había realizado saltos en Italia. En realidad, solo uno de sus tres regimientos que saltaron en el día D contaba con experiencia previa, el 505, que fue el que tomó Sainte-Mère-Église y su importante nudo de comunicaciones. Los otros dos regimientos, el 507 y el 508, debían tomar una serie de puentes sobre el río Merderet para asegurar el posterior avance de la infantería venida de Utah Beach, pero también para impedir la llegada de refuerzos alemanes. On est au centre du dispositif de la 82e aéroportée. Cette toute petite rivière qui est si jolie en 2017, il faut imaginer qu'en 1944, parce que les Allemands ont bloqué les écluses de la Barquette à côté de Carentan, l'eau des rivières du Cotentin ne peut pas s'évacuer. Et elle se répand dans tous les champs qu'on voit ici, pratiquement un kilomètre et demi. À certains endroits, il y a un mètre 80 d'eau. Et les Américains, ça, ne l'ont pas vu parce que les photos aériennes, avec toute la végétation, ne leur permet pas de se rendre compte que toute cette zone est inondée. Dans l'optique des commandants américains, l'idée c'est de pouvoir créer de l'autre côté de cette rivière qui s'appelle le Merderet deux têtes de pont pour protéger les passages ici à la Fière et un peu plus au sud, le pont de Chef du Pont. Donc deux régiments vont avoir pour mission, un qui saute du côté d'Amfreville, l'autre qui saute du côté de Picauville, le 508e, vont avoir pour mission d'occuper le côté ouest du Merderet pendant que le 505 à Sainte-Mère-Église est côté est du Merderet. Ces régiments-là doivent converger le 507
507 et le 505 sur ce pont. Le 507 pour prendre le pont de par sa partie ouest et le 505 venant de Sainte-Mère-Église sur sa partie est. On va voir que du fait des très très mauvais largages, ça va pas du tout se passer comme ça et qu'on va retrouver ici au pont de la Fière un assemblage de tous ces régiments, du 505, du 507, du 508, qui vont se battre ici dans la journée du 6. Como bien dice Denis, cuesta imaginar que en estos idílicos paisajes se dieran sangrientos combates. Pasados más de 70 años, los antiguos campos de batalla de Normandía apenas han cambiado y caminos y puentes se encuentran en sus posiciones originales. Y llegamos, Denis, al segundo puente, aunque se estaba reconstruido, el segundo puente que tomó la 82 División, que era muy importante porque unía Chef de Pont con Picauville. Absolument, c'est donc là, on retrouve exactement la même configuration qu'au pont de la Fière, c'est-à-dire que nous avons un pont sur le Merderet, avec le Merderet totalement inondé, et donc une voie de passage très importante pour les Américains, pour les troupes qui arrivent du Tabitch via Chef du Pont. La difficulté, c'est quand les premiers parachutistes arrivent ici, d'abord ils ont été très très mal largués, ceci était un objectif du 505e régiment de parachutistes sur cette partie est, et du 508e régiment de parachutistes qui était largué du côté de Picauville. Avec tous les mauvais largages, on va retrouver ici des représentants du 507, du 508, du 505, qui vont se battre dans un premier temps pour prendre Chef du Pont, parce qu'il y a énormément d'Allemands dans Chef du Pont, donc il faut prendre Chef du Pont, ensuite il faut prendre le pont lui-même, mais les Allemands sortent très très vite de Picauville et vont contre-attaquer ici, exactement comme à la Fière, avec des chars, et ce qui va donner le théâtre de combats extrêmement violents ici. Donc pour pouvoir essayer de rejoindre les ponts sur la Douve, il faut absolument prendre ce pont, prendre la chaussée, or elle est couverte par les Allemands, d'où les combats extrêmement difficiles qui vont commencer le 6 juin et qui se termineront qu'à partir du 9 juin. La División 101 del General Taylor tuvo su bautismo de fuego en Normandía. Bajo el nombre de Misión Albany, sus tres regimientos paracaidistas saltarían en las zonas A, C y D. Su misión principal era asegurar las cuatro salidas de Utah Beach y tomar la esclusa sobre el río Douve, en la Barquette, con la que los alemanes habían provocado inundaciones en la zona. Pero vamos a empezar el recorrido por el norte, donde saltó el regimiento 502. Autre objectif important pour la 101e Airborne, détruire bien entendu les armes principales des Allemands qui risquent de mettre en danger les débarquements de la 4e division d'infanterie, et parmi lesquelles la fameuse batterie de Saint-Germain-de-Varville qui est derrière nous ici. Cet objectif-là a été confié au 2e bataillon du 502e régiment de parachutistes qui appartient à la 101e Airborne, et l'anecdote du jour par rapport à cette batterie-là, c'est les Américains donc, qui avaient dédié des forces importantes, mais dès que les premiers parachutistes américains arrive ici donc dans la nuit du 6 juin, il se rend compte que la batterie est totalement désertée. Une partie a été détruite par d'importants bombardements anglais qui ont eu lieu dès le mois d'avril, et les Allemands ont décidé de retirer les canons, qui étaient des gros canons, des canons russes qu'ils avaient pris sur le front est, des canons de 122 mm qui étaient donc dans ces batteries-là, et que les Allemands ont choisi d'enlever probablement dans les derniers jours du mois de mai, ce qui fait que quand les Américains sont arrivés aux premières heures, alors que leur largage avait été relativement désastreux, le peu de troupes qu'ils avaient pu consacrer à l'attaque de cette batterie-là, en fait, ça n'a servi à rien puisque les batteries étaient totalement vides. Si pudieran hablarnos, las iglesias de los pueblos normandos nos contarían muchas historias del día de. Sus campanarios albergaban a veces puestos de observación, pero en esta iglesia d'Angoville se produjo un hecho muy singular. Oui, absolument, puisqu'on se trouve ici pratiquement à équidistance entre deux drop zones, la drop zone D, la drop zone maudite au sud, et plus au nord, la drop zone C. Et dans ce secteur-là, on est au cœur des combats pour la prise de Saint-Côme-du-Mont, qui se trouve plus loin à l'ouest. Et là, c'est le deuxième bataillon du lieutenant-colonel Ballard du 501e régiment de parachutistes de la 101e, qui est dans ce secteur, disséminé un petit peu partout. Et dès le 6 juin, il y a des combats de haie à haie, de champ à champ, avec tout de suite énormément de victimes. Il y a deux infirmiers, qu'on appelle des medics, qui s'appellent Bob Wright et Kenneth Moore, qui sont du 501e, et qui très très vite vont installer dans l'église un poste d'infirmerie, parce que c'est le seul endroit à peu près abrité, et dont ils espèrent que les combattants des deux bords respecteront un petit peu, un minimum, la neutralité. Ils vont mettre un drapeau de la Croix-Rouge à l'entrée de la porte qui est ici, et ils vont soigner pendant pratiquement deux jours de combat sans interruption, nuit et jour, jusqu'à 80 personnes, Allemands, Américains, mais aussi civils, dont un certain nombre d'enfants qui sont blessés par les combats. Les Allemands, à trois reprises, vont prendre le village, à trois reprises, ils vont se précipiter dans l'église, ils vont voir que toutes les armes sont à l'extérieur, ils vont voir qu'à l'intérieur, il y a des blessés allemands, des blessés américains, donc à chaque fois, ils vont se replier sans qu'il y ait le moindre exaction de commise. Et donc, Bob Wright et Kenneth Moore seront décorés pour ça de la DSC, pour leur travail durant deux jours ici à Angoville-au-Plain.
Hay algo dentro que podamos... Et on va bien sûr aller voir parce qu'il y a bien sûr des séquelles des combats que l'on peut encore voir dans l'église. Vamos. On y va. Un proyectil de mortero entró por la bóveda de la iglesia y aunque no llegó a explotar, hoy en día es visible el impacto en el suelo. Pero lo que llama poderosamente la atención son los restos de sangre que todavía conservan algunos de sus bancos. Vestigios del tiempo en que la iglesia de Angoville sirvió como enfermería. Ahora, Guripas, solo nos queda visitar la esclusa de la Barquette, de la que los alemanes se sirvieron para evitar un rápido avance aliado. Alors nous sommes ici sur les fameuses écluses de la Barquette qui ont été construites par Napoléon pour réguler le flot des rivières du Cotentin. Les Allemands les ont bloquées à partir de 1943, ce qui fait que l'eau ne peut pas s'évacuer de toutes les rivières qui descendent du Cotentin. L'eau monte et envahit tous les marais depuis 1943. Les Américains se sont imaginés qu'il fallait absolument tenir ces écluses de façon à empêcher les Allemands d'inonder le Cotentin. Le mal était déjà fait, ils vont s'en rendre compte plus tard. En attendant, ils ont dédié un bataillon entier du 501e régiment de parachutistes de Johnson pour s'emparer de ces écluses-là. Johnson va arriver au matin du 6 juin dans ses alentours par ici avec à peu près 50-70 hommes. Ils vont attaquer les écluses qui sont en fait très très peu défendues. Il y a 2 ou 3 sentinelles allemandes qui vont s'enfuir. Malgré tout, les Américains auront à tuer. Mais donc, ils vont pouvoir tenir ce flanc-là qui devient le flanc le plus sud de toute l'invasion aéroportée américaine, puisque donc 40 ans se trouve là, avec la limite constituée par la Douve. De l'autre côté, ici, nous avons Brévent, qui se situe à ce niveau-là, sur lequel il y a également 2 ponts importants que le 506e régiment de parachutistes doit tenir, donc de grandes choses qui vont se passer là-bas. Et puis en fait, le grand fait d'armes pour le 501e régiment de parachutistes, c'est une petite intersection qui se situe à 200 mètres des écluses de la Barquette, et qui ce que l'on appelle maintenant Hell's Corner. C'est une toute petite intersection entre la route qui va à Penem et la route qui descend de Bassetville, et où le bataillon de Johnson, environ 150-200 hommes qu'il a ramassé ici avec des soldats du 506e, vont littéralement prendre en embuscade l'intégralité du premier bataillon de parachutistes allemands, du 6e régiment de parachutistes allemands, qui est en train de revenir de Sainte-Marie-du-Mont et qui espère emprunter les ponts de Brévent pour rentrer dans 40 ans. Et là, donc, les hommes de Johnson vont les prendre en embuscade, ont tué un nombre très important et faire prisonnier le reste du bataillon. Donc avant même le début de la bataille de 40 ans, il y a toute l'intégralité d'un des 4 bataillons du 6e régiment de parachutistes allemands qui est hors de combat. Au soir du 8 juin, pratiquement tous les objectifs de la 101e Airborne ont été remplis. Hein. Ils sont à Saint-Côme-du-Mont, ils sont jusqu'à Foucarville, Ravenauville, ils tiennent le nord du secteur de débarquement de la 4e division d'infanterie. Ils sont sur la Douve jusqu'à Brévent, donc tout le secteur a été sécurisé. Prochain objectif, de prendre 40 ans. Bueno, Denis, 40 ans sera otro capítulo, porque este ya se acaba. Nosotros agradecemos mucho este recorrido por las zonas de salto de paracaidistas americanos. Y bueno, contamos contigo para 40 ans. Absolument. Vamos allá.